C'est très apaisant parce que c'est un lieu qui est plein de vie, plein d'histoire. Bonjour, bienvenue au Cyrano. Travailler au Cyrano et pouvoir cuisiner ici, c'est quelque chose de très agréable parce que c'est un lieu qui a eu mille vies. C'était une maison close et c'est devenu un bar. Pour nous, c'était très important de garder l'esprit du bistrot et que les gens puissent se sentir bien, d'avoir ce côté très chaleureux. On a une vie de quartier, c'est comme un petit village où on sent que tout le monde se réunit aussi pour prendre son petit café. On a nos habitués qui sont là tous les jours, à heure fixe. Une polenta crispy avec une mousse de parmesan et une vierge d'olive. Des boulettes de cochon à la sauce tomate et au chipotle. Une maquereau à la flamme avec une purée de carottes au pimenton. L'idée, c'est malgré tout de trouver toujours ce qu'on peut trouver dans un bistrot, c'est-à-dire les plats réconfortants, la gourmandise. Mais on a aussi d'autres plats un peu plus farfelus ou modernes. Et le café est à 1 € au comptoir.